Salut tout le monde, c'est Snapshot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bonne année 2019. Et là c'est une vidéo très spéciale, bon c'est une vidéo sur la toute première Xbox. Voilà, je sais pas si vous avez vu mais j'avais créé des playlists sur ma chaîne YouTube. Du coup là je vais tourner des vidéos, je vais faire le mode histoire et tout du jeu Def Jam Fight for New York pour ceux qui connaissent pas. C'est un vieux jeu, c'est un jeu de 2004 ou 2003 si je dis pas de conneries. Et là je joue sur la toute première Xbox. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup, du coup, je comptais faire une vidéo dessus. Parce que voilà, j'avais absolument envie de le faire. Et du coup, allez, c'est parti. Allez, créer identité. Hop, voilà, on fait ça. Alors, attends, comment je vais l'appeler? Est-ce que j'ai déjà. Oh, tu sais quoi? Allez, on va l'appeler Lulu. Hop. Voilà, allez, bonne année, bonne santé, hop. La première Xbox, Def Jam Fight for New York, hop, la story, nickel. Bon, après, nous, on est des fous, nous, tu sais quoi, nous, on va faire la... Let's go, D-Mob. Bon, du coup, pour que je vous explique, ça c'est un jeu de combat. C'est le seul jeu de combat que j'aime. Et c'est. Et comme personnage qu'il y a dans ce jeu, en fait, ben c'est que des. En fait, si vous voulez, en fait, c'est que des. C'est que des chanteurs en fait qu'il y a. Watch your head. Voilà, Def Jam Fight for New York. You messed up, D-Mob. Yeah. Who's gonna put my kid through college now, eh? Don't worry. Someone else will come along and take his place. Ain't that right? Look out! Oh, comment ça fait percuter avec la voiture. Regarde-moi ces graphismes là de première Xbox. Là. Regarde-moi ces graphismes de 2003. Là. T'inquiète. Ça, c'est des beaux graphismes, ça, mec. Ah oui, ça c'est mon personnage. Ouais, d'accord, ouais, c'est mon personnage en fait qui l'a hypercuté. Ouais, d'accord, en fait, ouais, c'est mon personnage qui a sauvé D-Mob. Just try your best to remember. Take a look at the mugshot. Alors là, normalement, voilà, là on va créer son perso. Do you see anyone here? Voilà. Okay, let's work up a composite. Alors taille, alors moi attends. Oui, moi je fais 1m76, au pire tu sais quoi, on va mettre 1m75. Alors les kilos, alors moi personnellement, moi je pèse 57 kg, mais je sais pas si je vais pouvoir mettre 57 kg sur mon perso dans le jeu, on va voir. On va descendre tout en bas. Au pire tu sais quoi, au pire on va mettre au moins, je sais pas, au moins 58, 59 ou 60 au pire. Je vais mettre... Ah non, on peut mettre que 75 minimum, bon ben on va mettre 75. Comment ça, S ou M? Ah oui, d'accord. Ouais, je crois que c'est là, c'est musclé ou normal. On va mettre normal. Alors, couleur. Ok, ça, on va mettre ça comme ça. Les yeux. Hop, on va prendre le 3. Voilà, les sourcils. On va mettre ceux-là. Alors, le nez. Vas-y, c'est quoi, je vais mettre le 8. Ça fait un nez bizarre quand même. Ok, là, les oreilles. On va choisir le 7. Au niveau des coupes de cheveux, on va faire à peu près... Voilà, on va faire comme ça. Ça, c'est le plus stylé. Non, hop, sans barbe. Hop, les cheveux. Hop, voilà. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi à tout cracher, ça, tu vois. Bon, je lui ressemble pas trop, mais on va dire c'est ça. Ah non, non, c'est ici les voix, pardon. Come on, man. Let's bounce.
Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Come on, man. Let's bounce. Non, on va dire ma voix. On va dire c'est plus la 3. Voilà. C'est bon. Take that! Game over. That's why I'm the champ, bitch. Oh snap, D-Mob. Yo, we thought you thought was. Thought I was what? Arrested? Who this? This is the guy who was helping me get home while you two clowns were sitting around playing video games. Hey, at least we're still around. Who knows what people are thinking after that shit you pulled, man? Okay, look, look. We got to count up our soldiers and put them on the streets now. So, is this guy in or out? He's in. Remember, man, we don't know shit about this guy. No offense. Yeah, look like a stray. How we know he cool? 'Cause I say so. Well, if he stays, he's got to be able to carry his own weight. Can you fight? I can take care of myself. We gonna see about that. On va voir ça, t'inquiète Method Man, moi je vais te montrer moi que je suis une batte, moi t'inquiète. Ah voilà, alors les styles kickboxing là. Là nous avons le combat de rue. Là nous avons le art martiaux. Le art martiaux ça c'est mon préféré ça. Bon après un truc qui est bien c'est qu'après tu peux en mettre 3 maximum mais tu sais c'est après c'est en gagnant les points de compétence quand tu gagnes les matchs, les tournois et tout quoi. Là il y a le catch. Là il y a la soumission. Hop, l'art martiaux. Allez. Well, all right then. Let's see what you got in this house here. That's how we do it. Hop. Alors là, appuie sur A pour attraper, ouais. Hop, voilà. Voilà, ça c'est pour obtenir mon blaze. Blaze, hop. Et voilà, KO. Not bad. Pas mal. Looks like you've seen a few scraps in your time. Whatever, whatever, man. Sparring ain't shit. 10-1, this bitch get knocked out in a real fight. There's only one way to find out. Go buy yourself some new gear. If you're gonna run with this crew, you better look the part. Think you can handle that? Hey, listen, the cops are looking for you, so you can't go back to your pad. It ain't much, but it's yours for as long as you need it. It's got potential. Allez ma gueule. Ah là là. Alors vous avez reçu des nouveaux messages. Alors D-Mob veut que je te mette au boulot pour que tu sois performant sur le ring. Je peux t'aider à t'améliorer en t'apprenant de nouveaux mouvements et de nouveaux styles. Alors viens à la Stapleton. Si t'es prêt à suivre, ok. Ah. Hey mec, c'est Blaze. Je viens de parler à des mobs. Il veut que tu fasses le tour des boîtes et que tu te mettes au boulot. On t'appellera quand on aura quelque chose pour toi. Ok. Bon, vas-y, on va aller acheter des fringues. Hein. Parce que voilà, quand la tenue mon perso, pull noir. Pull noir, jean, chaussures. Ah ouais, d'accord, j'ai mis $250. Qu'est-ce que je pourrais mettre?
Ouais, vas-y, non, tu sais quoi, je prends une veste. Je vais prendre. Yo, that's a fresh look. Voilà, je vais la prendre un peu ouverte comme ça. Bam, voilà, déjà c'est mieux. Alors, au niveau des chaussures. Bon, après le jean, au pire, je vais le laisser comme ça. Ah, ça c'est bien, ça me plaît. Ça c'est mon style. Non, toi, il y a des moments, il y a eu des moments où je portais ça comme genre de basket. Bon, le jean, je crois, oh, je vais le laisser le jean. Alors, est-ce qu'il y a 10 bijoux? Hello, what can I do for you? Putain, comment ça fait mal aux yeux ces graphismes de merde. Oh ma... Eh mais voilà, ça c'est ma chaîne à moi, ça c'est ma plaque à moi, elle a la plaque militaire. Oh bah vas-y. Vas-y, on va la prendre en platine. Oh lolo. Beau gosse. Bon, ça c'est les tatouages, non. Ça c'est quoi ça? Attends. Ah oui, ça c'est pour changer de coiffure et tout, ok. Non, vas-y, hop, je vais aller... Hey, how's it going? Je vais aller là, voilà, pour améliorer avec les points. Voilà, j'ai 125 points, hop, on va augmenter ça. Voilà. On va augmenter la vitesse pour que mon perso, voilà, c'est bon, nickel. Et on va passer au premier combat. Vas-y, on va commencer sur Trick. Bon là, j'ai oublié de vous dire, dans les options, j'ai activé... D'ailleurs, j'ai même pas vu. D'ailleurs, je sais même pas si je suis en difficulté facile, normal ou difficile. Mais je crois que je me suis mis en difficile. Bon, de toute façon, après, ce que je veux dire, c'est qu'après, avant, j'y jouais beaucoup. Et de toute façon, le mode histoire, je le faisais en difficile. Allez, go. Ah ouais, d'accord. Si le mec, il commence à me prendre comme ça, quoi. Putain... Toi, je te le dis, frère, ça va pas le faire. Eh, mais toi, t'es vraiment une pute en vrai. Voilà! C'est comme ça qu'on fait, mon pote. Hip. Et ouais mon gars, c'est comme ça qu'on fait. Oh le bâtard, je pense pas qu'il allait faire le gros point. Non mais t'es une pute toi. Voilà. Voilà, là il est KO, parce que là il est en danger, pam, voilà, KO, nickel. Allez, ça en fait déjà un. Voilà, ça c'est moi, ça c'est Lulu officiel, mon pote, t'inquiète. Ça c'est bon. Ah, mais j'ai déjà 4 nouveaux messages. Yo, c'est Snowman, passe au magasin, j'ai des trucs qui vont te plaire, j'en suis sûr. Fais-moi signe, Lu. Okay. Ludacris, je sais pas ce que des mobs voient en toi, mais il va falloir que tu fasses tes preuves. Il n'y a pas de place pour les losers dans ce crew. Il y a plusieurs façons de mettre ton adversaire KO. D'abord, il faut que tu fasses baisser sa santé jusqu'à la zone de danger. À ce moment-là, tu peux lâcher un mouvement Blaze, utiliser une arme, faire une attaque environnement ou le mouvement spécifique à ton style. Choisis une de ces solutions pour le finir. Ok, Blaze. Salut, c'est Blaze. Tu fais du bon boulot, un vrai tueur. D'immob apprécie. Continue comme ça, on se voit plus tard. Ok.
here tonight. Don't worry, I'll make this quick. Come on, bitch. Allez. Step. I dare you. Go. Ah ouais, toi t'es comme ça toi. Oh putain, mais l'enculé, à chaque fois il m'attrape, je crois tout. À chaque fois, je crois tout. À chaque fois qu'il va prendre genre. Genre qu'il va mettre un coup de poing, coup de pied, mais non. Mais toi, mais. Eh, mais toi, t'es vraiment une. Mais t'es vraiment une salope, toi. Oh là là, mais quel bâtard ce mec. Putain, mais il est en train de me mettre chier en vrai. Non, mais non, non, mais réveille-toi là. Voilà, on fait comme ça là mon pote. Là tu fais quoi là? Là tu vas faire quoi là? Oh espèce de bâtard. Mais non. Allez mais remue-toi la nouille putain mais. Ah mais voilà, mets-toi sur le caisson. Voilà. Oh. Alors celui-là il a pas vu venir. Attends, on va prendre la petite bière pour le mettre KO. Oh le bâtard. Oh non. C'est une blague. C'est une pute ce mec, hein, je te jure. Vas-y, viens par ici là, faut que je te fasse. Vas-y, sur le caisson. Voilà, et là je te mets KO, mon pote. Voilà, c'est bien, t'as tout compris. T'inquiète. You just got owned, bitch. We all heard D-Mob had a surprise. Putain, mais je reçois plein de nouveaux messages à chaque fois. Souviens-toi, fils, t'as droit à ta part sur l'action en coulisses. Il y a toujours des paris en cours. Alors, si t'assures dans tes combats, tu ramasses. Ah, mon entraîneur Rolin. Salut, c'est Rolin. T'as intérêt à être sur le chemin de la salle de gym. Ok. Hey, how's it going? Non, c'est pour les points que j'ai gagnés. Ouais, vas-y. Comme ça, j'ai acheté. Allez, maintenant je suis contre Nain. Clear some space, people. We need all. Hope you like the taste of my knuckles, chump. Yo, let's do this. Go. Oh mais l'enculé il m'attrape lui aussi putain normalement lui il met pas des coups de poing. Ok bon vas-y allez tu sais ce que je vais faire. Putain mais. Putain mais toi. Ah là j'avais été sûr que t'allais mettre un coup de poing là enfoiré va. Oh l'enculé, ah ouais mais lui c'est vraiment du combat de rue lui qui fait quoi. Oh là là putain mais réveille-toi là. Ah bah là il est mort.
Voilà, hop, c'est fait. Time to take notice. You got no skills. The foundation ain't just a walk. Nah, man. J'ai reçu un nouveau message. Si t'as envie d'un 1 contre 1, n'importe quand, t'as qu'à me faire signe. Salut, c'est Stingray. Il faut qu'on rafraîchisse ton look. J'ai de nouvelles idées, à bientôt. À chaque match gagné, tu gagnes des points de développement qui peuvent te servir à t'entraîner. Prends l'habitude de devenir à la salle. Et je ferai de toi un bon fighter. Comme on le pensait, Crew et ses gars ont des vues sur notre tour dans Harlem. Bon, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Ils se contentent d'envoyer des bons à rien pour foutre le souk dans nos boîtes. Espérons que ça aille pas plus loin. Welcome back. What do you want to build up? Now you're ready to bust some heads. Ah oui, c'est contre lui là, Omar Deps là, le 1 contre 1. Bah vas-y mon gars, on va faire un 1 contre 1. J'ai rien à comprendre de ta vie quoi. Hey yo, kid. Can't stop me, son, I'm a dancer. Here we go. Oh le bâtard. You wanna keep going? Let's finish this. Mais t'es sérieux toi? Putain, mais aussi réveille-toi là, putain! Allez, allez, je t'en supplie. Voilà! Casse pas les couilles. Voilà, c'est comme ça qu'on fait chez les braves, mon gars. Ah, vous avez reçu des nouveaux messages encore. Oh, j'en reçois encore tout ça! Allô, c'est Manny. J'ai des trucs à te montrer. Passe au magasin quand tu as le temps. Please. Des mobs, t'as arrangé un combat contre l'iceberg en personne. Ice-T, c'est ton premier gros coup. Ramène-toi au 357 dès que tu es prêt. Okay. Tire parti de ceux qui t'entourent. Interagis avec l'environnement en envoyant ton adversaire contre un objet. Une fois qu'il est sonné, attrape-le et achève-le. T'as passé une dure soirée. Mais t'as réussi, bien joué. Ouais, j'ai vu ton combat la nuit dernière. Tu commences à montrer 2-3 trucs pas mal pour un petit jeune. Continue comme ça. Ah, tu vois, Ludacris là, il commençait à dire le mec. Il commençait à faire le mec. Ouais, tu sais pas te battre. Ouais, tu fais trop le mec et tout. Mais t'as vu, t'inquiète, moi je défonce tout. Pas de soucis. Alors, on va continuer à monter les points de compétence. Voilà. Voilà, comme ça. Allez, The Limit. Ah, allez, Lulu contre Skool. Enfin, je sais même pas si ça se dit Skool ou Skool. Je connais même pas. Je sais même pas si c'est un chanteur, un artiste, un DJ, je sais pas. Enfin, non, je pense pas que ce soit autre un DJ vu sa tête. Yeah.
Any last words, punk? You gonna bleed tonight, Holmes? Okay, who's ready to see some blood? Oh, oh, comment j'ai esquivé ça, mec? You wanna keep going? Oh non, il m'a attrapé, ce con. Oh non, lui, c'est la soumission. Non, j'aime pas ça. Oh non, pas ça. Oh, la soumission, c'est le truc le plus horrible, quoi. Attends. Mais toi, je vais te niquer ta race, toi. Voilà. Vas-y, fais encore le malin. Vas-y, viens vers moi. Allez. Viens voir. Ah ouais, toi tu fais coéquipier avec le public, toi. T'inquiète, moi aussi je peux faire pareil, mon gars. Allez, vas-y, viens. Oh putain, il m'a attrapé, cet enfoiré, quoi. Oh le pauvre, comment je l'ai défoncé. Yeah, that freight train that hit you, that was me. Putain, mais ça c'est trop moi, mec, avec le collier, la plaque et tout. Mais c'est tellement moi. Bon là, bien sûr, là j'ai pu mettre minimum 75 kg. Moi je pèse pas 75 kg, moi j'en pèse 57. Hein. Bon, mais je sais qu'il faut que je prenne. Mm-hmm. Sure, some fine looking things in here tonight, boy. Every eye's on you, partner. You the man. So who you gonna take home, huh? Elles me regardent toutes. T'as vu, elles sont toutes là en train de me mater. Ça, c'est bon, ça, je vais choisir laquelle. Ah, je vais choisir la plus sexy, quoi. Vas-y, je vais choisir elle, mec. Lil Kim. Bon, normalement ça devrait y aller. Hey, she's with me. Encore lui là? Why am I not convinced? I said, back off. Oh putain, je dois me battre contre lui pour l'avoir, je crois que c'est ça. T'inquiète mon pote, t'inquiète, c'est moi qui vais l'avoir, je vais te niquer ta race, tu vas rien comprendre. D'accord, tu vas le jouer comme ça. Là t'es mort. Oh putain, j'ai réussi, j'ai pas réussi à l'attraper, quoi. Voilà. Allez, j'embarque sa meuf. Y'a quoi là? Don't bother waiting up, bro. Ah, j'ai reçu des nouveaux messages. Yo, entre toi et moi, Snowman est une pure daube. Avant, il faisait partie du crew, mais des mobs l'a jeté parce qu'il était pas assez dur. Il a du bon matos en stock, mais sinon, c'est un clown, rappelle-moi. Yo, je viens de recevoir une arrivage de vêtements trop classe, passe les voir, il y a plein de trucs de qui devraient t'aller. Quand tu te bats en public, fais intervenir la foule dans le combat, projette-t-y ton adversaire pour préparer tes mouvements et profite des armes contre temps. Ouais, c'est Blaze, alors comment ça s'est passé avec la meuf la nuit dernière, rappelle-moi. Oh bah je l'ai plus chaud. Oh bah je suis sûr qu'il a dû faire ça, mon perso. Allez, maintenant je suis contre Cruz, mec.
like the taste of my knuckles, chump. I hope you all bet on me, cause this is gonna last about 10 seconds, baby. Hey, yo, it's about to go down, people. T'as mec, le public, il est mal fait, quoi. Ah, ils sont tous fous, tous les... Voilà, comme ça on fait. T'aurais jamais dû faire ça, mon gars. Oh le type. Ah ouais, mais lui il fait du catch, lui. Mais mec, c'est pas comme ça que tu vas m'avoir. Putain, mais l'enculé, quoi. Ah, mais à chaque fois le mec il me met des coups de pied et tout, et puis après il m'attrape. Mais lui il est vraiment malin, lui. Putain, mais quel enculé. Putain, mais c'est vraiment une pute, ce mec. Ah. Ah. En plus, le pire c'est que j'étais en danger. Il a failli mettre KO, cet enfoiré. We call that a blackout, baby. Putain, mais j'en reçois plein de messages des fois. J'ai vu comment tu t'en es tiré contre des minables. Mais si t'es un vrai, on va voir ce que tu vas faire contre des mecs sérieux. Allo, c'est Blaze. On va faire la tournée des boîtes de nuit ce soir. Rappelle-moi si tu veux bouger. N'oublie pas de varier tes coups pour surprendre ton adversaire. Sinon, il va analyser tes enchaînements et en tirer parti. Hey, j'ai des nouvelles coupes stylées avec ça. Tu vas pouvoir jouer le beau gosse avec les meufs. À plus. Ah bon? Attends, je vais bien voir ça, moi. Attends, vas-y, attends. Ah oui, attends, c'est où? C'est là? Ouais, voilà, c'est là. Sit on down, partner. Come on in. I give the best cuts in this good thing about hair. Always grows back. Y'a pas genre coupe stylée avec un petit dégradé, quoi? Non, y'a pas ça, bon, laisse tomber, vas-y. Allez, je me barre. T'es mec. Ah, je suis contre Trejo maintenant. Le mec s'appelle Trejo. Eh, hey, t'es sûr d'avoir les tripes pour ça, S? Allez, dégage de la ville ou tu vas finir dans une petite boîte. Ouais, on va voir qui c'est qui va finir dans une petite boîte. Hein. T'inquiète pas, mon gars, dans quelques minutes, ou même pas dans une minute ou deux minutes, t'inquiète pas, c'est toi qui vas finir dans une boîte, mon pote. Alors là, tu vas prendre cher, mon gars. Come on, this is... What we just see there?
Bam! Une minute pile poil, mon gars. Y'a quoi là? Ah, j'ai reçu des nouveaux messages. Yo, y'a un tournoi chacun pour soi cette semaine au Power Play. Oh, bah, excuse-moi pour mon anglais de merde. Y'a mieux niveau argent, mais ce serait surtout un bon moyen pour toi de te faire un nom. Si tu veux continuer à gagner, tu dois contrôler le rythme du combat. Travaille ton charisme et le soutien de la foule pour augmenter l'énergie que tu gagnes sur chaque mouvement. D-Mob m'a dit que tu pourrais être intéressé par quelques bijoux. Tu devrais passer au magasin pour que je te montre mes créations. Je suis sûr que tu aimeras ce que j'ai à te proposer. T'as croisé le gars de Crew la nuit dernière. Ça a dû lui faire mal de perdre ce match. Ça devait être ton soir de chance, enfoiré. On va se revoir et ça va pas être la même. Bon les gens, ça c'était la partie 1 du mode histoire de Def Jam Fight for New York, du story mode. Alors si cette vidéo vous a plu, bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais faire les épisodes, je continue les épisodes, attendez, je vais faire le mode histoire en entier. Bon. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, d'abonner à ma chaîne, laisser des commentaires. Et moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Snapshot Lulu. Peace.